Salut à tous et à toutes, c'est Raphon de la Fireteam. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 10e épisode sur Xenoblade Chronicles. J'avais dit que dans l'épisode 8, si je dis pas de la merde, que cet épisode serait particulier. Mais en fait non, parce que j'ai vraiment fait un épisode particulier dans lequel on avait tué les grands monstres, les quêtes secondaires et la gestion du stuff comme les cristaux et tout le tralala. Sauf que les quêtes secondaires, qui étaient quand même la plus grande partie de cet épisode, ben, elles étaient plates. En gros, on allait voir le forgeron. Le forge lol, excusez-moi. On devait lui ramener de la merde et on se baladait dans la ville sans rien faire. Donc, au final, j'ai rangé l'épisode et je l'ai supprimé. Parce que c'était encore plus chiant que d'habitude. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'aventure. Je vous rappelle, on était à la recherche de Juju. Et si vous voulez, mon avis, l'action va bientôt reprendre. Oui. Is this the place you were on about? This is it, all right. At the end of the road, there's a path to Colony 6. But there's no sign of Juju. If my vision was right, he should be around here somewhere. I'm sure he would have gone along this road. I just hope nothing's happened to him yet. Any chance he went up that way? It's not safe around here. I doubt Juju would go off the beaten track if he could avoid it. Got it. We'll search along the road. Donc, nous allons chercher Juju, donc c'est Juju, qui est le petit frère de Charla et dont la voiture s'était écrasée sur le pont. Et on a vu une vision où il allait se faire défoncer. Voilà. Allez, je cherchais le petit machin. L'autre. Ouais, on va se le faire. Right! Let's do this! Vous ne mourrez pas, robot enfin. Putain, ils sont vachement nombreux en fait. Ah, c'est correct. Putain, ils sont combien? Le bunny hop. Yay. What? Je suis vachement en train. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Putain, ils étaient vachement nombreux. Je crois qu'on a gros deux troupes en fait. C'est pour ça qu'on s'est fait arrêter. Essayez de passer sans trop les aggro. Au pire, on fera un groupe sur l'autre. J'espère qu'on va pas crever à chaque épisode. C'est pas mal. Ouais, ça va, on peut les fight. Non, revenez, bande de lâches. Sans déconner. Quand je me retourne pour les buter, ils se cassent, les enfoirés. Pas très grave. Non, c'est pas bon.
Est-ce que vous le voyez? Je pensais pas qu'on pouvait le voir d'ici. Je pensais qu'on voyait qu'il sortait du sol en fait. Another new symbol's appeared on the Monado. Can I save her? Of course you can. Show! Its tentacles could come out from under the ground at any second. One false move and you're done for. Wait for my order. Ryan, you got my back? Of course. Leave it to me. It's not me. It's the power of the Monado. That's right. And the light swirling around us. That's the Monado and all. Sharla, let's move. Ah, j'adore toujours autant les putains de cinématiques. Donc, on va d'abord péter ses tentacules. Parce que c'est ses principales sources de dégâts. Et ensuite, on essaiera de défoncer le milieu, c'est PV en plus. Julia! Pas les vols, ces tentacules. Bon, comme on est trois, deux. Let's focus our efforts. I want it. We can not good enough. No. Nothing done. Everyone, let's go. Shadow Eye. Come on. Beza. Ah, il me reste pas. C'était la dernière qu'on vient de péter. Maintenant, bourrinage. Come on, Charla. Light heal. This isn't going well. Now it's Ryan's time. All right, I'm feeling it all. Wait. Hey, don't hog all the glory. Everyone, let's go. Aura. This is the Monado's power. All right. Nice. Time for a chain attack. Don't give him an inch. Powering up. Okay. Here we go! Wouah! Déséquilibrer le faire chuter. Ça, c'est un peu la bonne technique. Ouais. Non, l'autre est mieux, il y a plus de vie, je crois. Ah non, en fait, peut-être que c'est un pourcentage des PV et que l'autre c'est un nombre précis. Sinon, c'est peut-être juste qu'on l'a pas. Oh, nice. C'est peut-être juste qu'on l'a pas. Is he down?
Get back here! It's up there! Let's go after it! Right! Mais ils sont cons! Ah les mecs, il y a un monstre en haut, il essaye de s'enfuir, il est méchant et il est dangereux. Venez, on le poursuit, on va le buter, on va se faire défoncer. Je suis le seul. Ok, il a nouveau full vie, mais il a pas ses tentacules. Plutôt bien. This isn't going well. Ryan, you're a lifesaver. Ryan, too quick for me. I'm powering up. Minardo, lend us your power. Please. Minardo, show me the way. Behold the power of the Minardo! Take this! Now it's right time! Bring it on! Split it! Come on! Beat! Right! I'm feeling it! We can definitely do this! No way! How's this? Rage! Okay, now we're getting started! Ryan, don't jump the gun now! I'm powering up! Oh nice. I can't go on. Now! We can definitely do this! Oui, nice. Oh merde. Normalement, si vous arrivez même avec la rapidité au bon moment, enfin avant qu'ils vous mettent l'attaque, ça fait que vous l'esquivez et donc c'est le meilleur. Je l'ai eu trop tard. On va voir du mal à le baisser. J'espère qu'il faut pas le laisser dans le bureau. Je suis mort, je vais laisser le bureau. Si c'est mid-life, c'est easy. Ouais, si c'est full life, vraiment. Par contre, je crois que j'ai la bonne ado. Et du coup, c'est parfait. What? Ryan? Forget about it. Don't let it get to you. Nice, voilà. En fait, là, du coup, vu que j'ai l'enchantement d'invisibilité, il rate son attaque. Est-ce que j'arrive? C'est pour ça que je bien sans invisibilité. Sauf que, contrairement au bouclier, contrairement au bouclier, ça ne touche que vous, qu'un seul joueur. Ouais. Chut! Et on va y le ride, je pense. Dose of healing coming up. Hey, not so fast. Okay, my turn. Take this. Ah merde, je pensais que j'étais là. Keep it up. Yeah. Rhyme time. Je pensais qu'il faisait plus de dégâts. Et comme il remplit la joue, c'est parfois de fantasme. Yo. En fait, ça demande. Ah oh, putain, il fait trop. Go on. Le dos. Non.
Ça va être chaud. C'est faisable. Faut juste qu'il me réussisse. Faut vraiment que j'améliore cette attaque parce que je n'ai pas encore assez de dégâts sur le coup. Oh putain, il s'est retourné au dernier moment. Finish him. Non. Oh non. Oh putain. Si je perds là-dessus, change qui. Putain non. Ah ouf. Non. Normalement ça passe, ça passe. Ça va. Dans le sens, ça règne en fait, c'est que si c'est moi qui meurs et que j'ai pas de barbe bleue, je peux pas le réanimer. Nice! Juju, are you all right? Sharla, I'm sorry. I'm so glad you're okay. Hey, looks like we changed the future. What's up? Well, it's just that that can't have been the Mechon from my vision. Yeah, weren't it supposed to be that one with the face? I guess we changed more than we expected. Shulk? No. Something's not right. Juju! No, it's not him at all. But this one's got a face and all. I've been waiting for you, Monado boy. What? It spoke. White metal face scarpers. I thought you'd have to be this big scary monster. But look, you're just a pathetic little kid. Problem? Ou quoi? On va se faire non mais niveau 25 on est niveau 17. Je peux même pas charger la monade en sur lui. Bon charger ça va. Faut que j'arrive à charger la monade. Mais si je peux pas le toucher, je peux pas la charger en fait. En fait, faut que j'arrive à lui faire un dégât avec mon auto. Puis je fais que des échecs. Je peux rien faire. Mais je comprends pas, je comprends qu'il soit plus fort que le boss d'avant, mais... Là, c'est... Putain, je comprends pourquoi j'avais galéré. Hein. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais non. Faut que j'arrive à charger ma barbe plus vite. C'est légèrement. On va repartir par là. Juste après. Parce que là, on peut même pas charger notre monado en fait. C'est le rect intensif. Oh, pourquoi moi? T'as pris, ma chérie. Je suis heureux de vous connaître. Au revoir, mesdames et messieurs.
Oh putain! On a réussi à avancer dans le store en se faisant rect. On est des pros! Vous avez gagné, vous êtes verts. Nice. Right, better watch your back. Got it. Cheer shock. Why can't I use the Manada? It's only the ones that have faces. But I can still see what it's going to do. Just like before. Nice tricks you got there, Pipsqueak. Darting around the place. That's the Monado's power. Won't matter, you're still flesh and blood, and I reckon you're nearly done. Behind you! Shook! Leave these to me! Don't take him out! Yeah, got it. Now! Right! It's just bouncing off him! That was fun for a while! But now I'm bored! Sharla! Time to finish you off! Shook! Look out! Looks like my time is up. It's your lucky day, little boy. But that luck won't last forever. Huh? I'll keep hold of this brat. If you want him back, you better come to Colony 6. But you'll have to be quick. I'm feeling hungry. You're gonna pay! Can't wait to grind you all into dust! Sharla! Sharla! No! Ok. Eh bien, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ouais, on va se laisser là-dessus. Et je vous dis donc à la prochaine. Ah, bon, il y a une cinématique, alors juste à la fin de la cinématique. On se laisse. A plus. Gaddo. It's only been a year since the Battle of Sword Valley. How did the numbers grow so quickly? Are their numbers too great even for you, Gaddo? Otharon. Medic Sharla, here are your new orders. You and Juju are to ready the evac ships. You will be in charge of the evacuation. But... You must realize the ships can only carry so many. We must stay behind and fight to protect those who remain in Colony 6. I'll be fine. I'll be able to keep my mind on the battle, knowing you're safe. Promise me. Sharla. Promise that you'll meet us outside the colony. Just make sure you get out of here alive. Yeah. I promise. Don't worry. Gaddo, a promise is a promise. And until I see you again, I will protect everyone.
No! Let me protect everyone! Shala! I keep them real safe! Inside my belly! Shala! Juju! Juju! Where are you? Hey there. Are you all right? The sleeping princess awakes. Had us worried there for a minute. How long have I been out? Huh? How long have I been unconscious? 4 hours, I'd say. I've got to get out of here. Hold up. Mind if we go with you? You're gonna bust into their base, right? We want a piece of them too. Really? Truth be told, we were gonna leave without you. But the thing is, I get roughed up a lot, and we don't know anyone else who can use ether. I thank you both. It's been a while, and it's just, I never imagined I would go back to Colony 6 like this. I'm sorry, lost myself for a minute. We can get to Colony 6 from the valley where Juju was taken. It's this way. Et donc après toutes ces sensations fortes, nous allons nous laisser après ces quelques cinématiques. Et dans le prochain épisode, nous irons faire un petit plongeon dans la base des ennemis à la colonie 6. À plus tout le monde.